Coucou, me revoilà. Bonjour à tout le monde, la famille, les amis, les abonnés et ceux qui me découvriront sur YouTube. Après 214 jours de silence, me revoilà. Oui, si j'ai pas fait de vidéo, c'est parce que bon, je suis resté 6 mois dans les montagnes, donc il n'y avait rien d'intéressant à montrer. Donc là, je fais une petite vidéo. Parce que vu le temps qui s'annonçait en France, j'ai préféré partir en Espagne. Donc là, je me trouve dans un de mes endroits préférés, au bord de l'eau, sous le soleil, ciel bleu sans nuages. Alors, c'est pas pour vous faire râler, parce que je sais c'est la météo que vous avez. Je suis pas comme ça, moi. Non, c'est pas pour vous faire râler. Enfin, bon, si, un petit peu quand même, oui. Voilà, donc je suis à Peñíscola. Donc ceux qui me suivent savent où c'est. J'ai fait plusieurs vidéos déjà dessus, sur cette ville. Et le château qui est dessus. Voilà, maintenant il commence à y avoir du monde. Voilà. Donc ben, tout va bien. Hein. Je vais entamer ma période de bronzage hivernal ici, puisque bon, je voulais. Repartir au Maroc. Je voulais repartir au Maroc, mais bon, cette année, c'est très très gravement compromis, vu les événements au Proche-Orient. Je ne sais pas comment le français sera perçu au Maroc, puisque dès que les Israéliens ont commencé à faire des morts dans la bande de Gaza, certains Marocains sont allés manifester devant l'ambassade de France au Maroc. Donc, même s'il y a un risque sur 1 milliard que je me fasse, que j'ai pu avoir des ennuis au Maroc, je préfère pas le tenter et je suis assez jeune encore. Je pourrais y aller parce que je pense que ce conflit va durer et que 2024 sera peut-être pas l'année propice. Pour découvrir les endroits du Maroc que je n'ai pas encore visités. Ben voilà. Quoi vous dire d'autre? Si, remercier Anne-Marie et Jean-Claude pour les kiwis et les pommes. Franchement, je suis bien nourri en vitamines grâce à vous. Merci encore. Bon, mais c'est pas tout là. Je suis en train de prendre du retard par rapport à mon début de bronzage. Donc je vais aller trouver un coin à l'abri du vent. Bon, même si soleil, ciel bleu, la petite brise en bord de mer, un t-shirt, c'est limite. Donc je vais me trouver un endroit calme. À bientôt pour d'autres nouvelles.